Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le spot et bienvenue en Autriche à Innsbruck pour les championnats du monde d'escalade. Un rendez-vous de taille pour les grimpeurs avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour nous en parler, nous recevrons dans quelques instants la grimpeuse du Team France, Fanny Gibert. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Depuis l'annonce le 3 août 2016 de l'entrée de l'escalade au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, tous les regards étaient tournés vers Innsbruck. La capitale des sports outdoor autrichienne présentait pour la première fois le format olympique de la discipline lors des championnats du monde d'escalade ce début septembre. Une quinzaine intense pour les grimpeurs, avec au programme des épreuves de difficulté, vitesse, bloc et le combiné olympique pour finir en beauté. Les Français étaient au rendez-vous. Nous avons rencontré la spécialiste du bloc, Fanny Gibert, médaillée de bronze au général de la Coupe du Monde. Elle est notre invitée aujourd'hui dans le spot. Derrière le Team France, Pierre-Henri Paillasson, le directeur technique national de la Fédération française de montagne et d'escalade, lui n'a rien manqué de la compétition. Il nous expliquera dans ce numéro quels sont les enjeux pour le sport à 2 ans de l'échéance olympique. Nous reviendrons bien sûr sur le palmarès de ces championnats du monde. Mais pour commencer, tour d'horizon des dernières actus de la outdoor, c'est les news. Une petite révolution est en marche. La Ligue internationale de surf, la WSL, a annoncé l'équité des prize money hommes-femmes sur le tour. Une première pour une ligue américaine. Une nouvelle de taille dans le monde du surf alors que se déroulait en Californie la première édition du Surf French Pro, 8e étape du CT, sur la vague artificielle de Kelly Slater. L'Hawaïenne Carissa Moore et le Brésilien Gabriel Medina se sont imposés sur cette nouvelle vague. Prochain rendez-vous, le Quicksilver et Roxy Pro France dans les Landes du 3 au 14 octobre. Dans la capitale française, les filles étaient aussi à l'honneur lors de la Parisienne, la plus importante course féminine en Europe. Près de 3000 coureuses ont pris le départ sur un parcours de 7 km traversant quelques lieux emblématiques de Paris. Victoire de la Française Padua Ledem en 23 minutes et 40 secondes sur cette 22e édition. Au nord de l'Hexagone, quelques milliers de trailers venus d'une trentaine de pays différents ont pris le départ sur l'une des épreuves du Trail National Côte d'Opale. Loin des paysages alpins connus de la discipline, la Côte d'Opale n'offre pas moins de paysages sauvages et variés pour le plus grand bonheur des coureurs. En descendant les côtes françaises à l'ouest, les amateurs de paddle avaient eux aussi leur rendez-vous sur la Normandie Transpaddle, un rassemblement festif et amical dans un cadre privilégié pour la pratique du stand-up paddle, race ou surf. Deux formats de course étaient proposés sur cette 2e édition, un 5 et un 12 km pour ravir tous les participants. Fanny, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Je sais que le programme est très chargé sur ces championnats du monde ici à Innsbruck. Bravo déjà pour ta qualif sur les demi-finales. Comment est-ce que tu te sens ? Ben, je me sens bien, je me sens soulagée parce que je suis passée en demi et que ça n'a pas été facile. Je me suis bien amochée dès le premier bloc, donc ça a été un tour assez difficile, mais j'ai réussi à rester dedans en mode guerrière et jusqu'au bout du circuit. Du coup, je chope ma qualif assez ric-rac, donc c'est vraiment cool. Et maintenant, je me dis que ça peut être que mieux, donc c'est génial. Un peu de repos avant les demi-finales. Qu'est-ce qu'on fait avant d'attaquer cette compétition, ces demi-finales ? Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on a 2 jours de repos et ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour venir voir les mecs. Là, il y a Sam qui vient de finir de grimper et c'est important de soutenir aussi les coéquipiers parce que finalement, c'est des moments de sport qu'on partage. On partage autant les victoires que les défaites. Donc moi, je trouve que c'est important d'avoir un bon esprit d'équipe, même si c'est un sport individuel. Et voilà, profiter du spectacle, de regarder d'autres disciplines. C'est un grand championnat et on a l'occasion d'être tous réunis. Donc c'est hyper sympa. C'est des moments de partage aussi sur toute une saison, une très belle saison pour toi, avec une médaille de bronze au général de la Coupe du Monde. Voilà, quel regard tu portes sur cette année ?
C'est une super saison, c'est la meilleure saison de ma vie. Et c'est vrai que j'ai fait des changements. J'ai commencé à m'entraîner avec Cécile Avezeau au début de l'année et je ne m'y attendais pas. Mais dès la première compétition, j'ai fait finale et je suis rentrée à chaque fois en finale où j'ai raté à une place, deux places. Donc avec cette régularité, au bout, il y avait le podium du général. Donc c'est génial parce que je n'ai pas réussi à concrétiser comme j'aurais voulu sur chaque finale et je fais un seul podium. Mais j'ai la magnifique médaille du général, donc ça, c'est vraiment dément. Et c'est quelque chose qui compte et qui a beaucoup de valeur à mes yeux parce que je le regarde depuis toujours. Et il y a eu des saisons où je passais jamais en demi-finale et je voyais les filles qui venaient à chaque fois pour jouer le podium. Et je me disais, ouais, c'est là que je veux être. Et cette année, je l'ai fait. Donc c'est un rêve de gosse, c'est génial. Et tu seras vendredi en demi-finale des championnats du monde d'escalade. Une échéance, un rendez-vous important aussi avec en ligne de mire les JO 2020 à Tokyo. L'escalade devient une discipline olympique avec un format de combiné. C'est pas ta spécialité, toi, c'est vraiment le bloc. Comment est-ce que tu appréhendes ce format olympique ? Alors, c'est vrai que cette année, je me suis focus sur la saison de bloc et je pense que j'ai fait les bons choix. Là, j'arrive sur un championnat du monde en forme malgré la fin de saison. Donc, je suis vraiment contente de jouer à fond cet objectif qui me tient à cœur. Et après ces championnats, je vais commencer plus sérieusement à me mettre dans le combiné. Et j'ai commencé cette année à faire de la vitesse. Ça m'a beaucoup apporté pour le bloc. Je ne suis pas une super fan des compètes de vitesse, mais je trouve que comme exercice... À l'entraînement, c'est dément et je me suis vraiment régalée. La diff, ça m'a toujours plu et j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les deux. Donc j'ai hâte de reprendre la diff et de voir ce que ça peut donner parce que je pense que j'ai une grimpe assez relâchée et ça peut bien me convenir. Donc ouais, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est un challenge de fou. Préparer les JO, ça paraît dingue. Donc voilà, c'est toujours cool de se poser des nouveaux challenges et des objectifs toujours plus ambitieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dès l'année prochaine. Nous aussi, on va suivre ça de très près. En attendant, on te retrouve sur les demi-finales de bloc ici à Innsbruck. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. Très bonne continuation à toi. À très vite. Merci. À Innsbruck, les épreuves de difficulté ont lancé les festivités pour les grimpeurs. Les femmes sont entrées les premières en compétition. Après les qualifications, deux Françaises, Manon Elie et Hélène Janicot, étaient en lice pour les demi-finales. Mais malheureusement, elles manquent de peu le dernier carré avec respectivement une 17e et 14e place. En finale, les deux leaders du classement mondial, l'Autrichienne Jessica Pils et la Slovène Janja Garbrett, sortent successivement la voie ultime. Les quelques secondes d'avance de l'Autrichienne sur la voie lui offrent le titre mondial devant son public. La Coréenne Jen Kim complète ce premier podium des championnats du monde. Chez les hommes, des qualifications mouvementées à Innsbruck. Romain Desgranges, le numéro 1 français de la discipline, alors second du provisoire, est disqualifié, comme le grimpeur canadien Sean McCall, pour avoir posé le pied sur un panneau publicitaire. Si la décision a fait polémique, tous s'accordent à dire que Adam Ondra, non sanctionné et seul grimpeur à avoir sorti les deux voies de qualification, avait sa place en demi-finale. Une autre chose est sûre, on retrouvera Romain Desgranges très vite sur le circuit. En finale, porté par son public, Jacob Schubert s'est accroché de toutes ses forces pour venir égaliser la performance d'Adam Ondra et lui dérober son titre. Si les deux grimpeurs s'arrêtent au même point de la voie, la meilleure performance en demi-finale de l'Autrichien lui offre le titre. Derrière eux, l'Allemand Alex Megos décroche le bronze.
Après la difficulté, place à la vitesse, une seule voie, un seul objectif, être le plus rapidement au sommet. À ce jeu, le français Bassam Aïwem sait y faire. Il a montré sa motivation dès les qualifications avec le second meilleur temps. Il signe par la suite des runs entre 5 secondes 63 et 5 secondes 71 pour retrouver en finale l'Iranien recordman de la discipline, Reza Alipour. Le temps s'est arrêté quelques secondes dans l'enceinte de l'Olympia World d'Innsbruck. En tête, porté par l'envie de gagner, le français manque de peu le buzzer et laisse place à Reza Alipour. Une petite erreur fatale, mais Bassa repart avec le sourire et l'argent autour du cou. Le bronze revient au russe, Stanislas Kokorin. Chez les femmes, finale 100% polonaise. Alexandra Rudziska s'impose en 5 secondes 56 devant sa compatriote Anna Brozek. La russe Maria Krasavina s'empare du bronze. L'équipe de France d'Andy escalade au rendez-vous de ces championnats du monde avec 5 médailles au total, 4 en or et 1 en argent. La première nation au tableau des médailles de ces championnats d'Andy escalade. Lucie Jarich, Solène Pierret, Romain Pagnou et Thierry Delarue sont sacrés champions du monde dans leurs différentes catégories. Et Marlène Prat, vice-championne du monde. Henri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous étions il y a quelques instants avec Fanny, donc, qui s'est qualifiée pour les demi-finales de bloc. Une équipe de France en forme, ici sur ces championnats du monde d'escalade. Une échéance importante. Vous êtes le DTN de la Fédération française de montagne et escalade. Quel est le bilan pour le moment de ces championnats du monde ?
Bah, le bilan, on commence. Hein. Donc, on a eu une semaine un peu difficile la semaine dernière avec la difficulté, puisqu'on a eu Romain Desgranges qui s'est fait arrêter sur un incident technique. Et donc, ça a stoppé un petit peu son élan. Il était là pour la victoire. Donc, ça a été un petit peu dur. Bon, bah, là, tout le monde est reparti pour la suite, parce que c'est le début des championnats du monde qui vont être très longs, puisqu'il y a les trois disciplines. Et après, il y aura un combiné olympique à la suite. Donc c'est un championnat du monde au long cours. Mmh. Donc, bah, voilà, il faut que tout le monde soit dedans. Il y a aussi l'Andy Escalade qui est présente avec une équipe de France qui est aussi bah, là pour faire des médailles. Ouais. La grande particularité de ces championnats du monde, donc, c'est qu'on retrouve la difficulté, la vitesse, le bloc et le combiné, le format olympique, puisque la prochaine grande échéance, c'est JO à Tokyo en 2020. Comment on aborde ça en tant que directeur technique ? Ben, disons qu'on se prépare. Alors, y en a déjà qui se préparent depuis plus d'un an au combiné. Il y en a qui voulaient faire quand même les championnats du monde d'Innsbruck dans leur discipline favorite, mm-hmm. et qui s'y mettront derrière, mais qui ont quand même fait des essais là, sur les autres disciplines. Par exemple, Mawen Bassa qui joue la victoire aussi sur la vitesse. Il a fait le bloc et la difficulté. Donc voilà, ça va être une expérience intéressante, parce que c'est vraiment la première fois que le combiné olympique est organisé à ce niveau. Alors ça sera pas tout à fait un combiné olympique, puisque il y en a 6 qui vont sélectionner directement, donc ils organisent uniquement une finale, mm-hmm. alors que pour le réel combiné olympique, ça sera 20 qui seront qualifiés et après 6 en finale. Donc il y aura une qualification à 20 et après 6 en finale. Donc c'est un petit peu différent. Là, ça sera juste 6, mais ça nous donnera quand même une idée des forces en présence, parce que pour le moment, on ne sait pas exactement qui va jouer ce combiné dans les autres pays. Oui. Là, on sait que les 20 premiers qui vont être classés là au combiné, ils auront une chance l'année prochaine. Enfin, ça sera nos adversaires. Donc, on va y voir un peu plus clair à la suite de ce championnat du monde. Donc, c'est une étape importante. Et si je ne me trompe pas, il y a un autre rendez-vous en novembre, automne 2019, en France, dans la région de Toulouse, pour les qualifications pour les Jeux. Alors, tout à fait. C'est donc, on fait un championnat de France de format combiné olympique qui sera à Tournefeuille à côté de Toulouse, au mois de novembre, donc dans pas longtemps. Et c'est vrai que nous, ça va nous permettre de remettre l'ensemble des Français qui veulent jouer le combiné et de les mettre en confrontation pour que nous, on voit qui a vraiment des chances de jouer la qualification pour les Jeux olympiques. Donc, ça va nous. À partir de là, on va avoir un groupe olympique, un groupe de préparation olympique. Qui va se préparer pour donc les échéances. Première échéance, ça sera il y aura 6 places sur le championnat du monde qui auront lieu au Japon l'année prochaine au mois d'août. Il y aura 7 places sur le championnat du monde. Il y aura 6 places sur un tournoi de qualification qui se passera en France et notamment donc à Tournefeuille, à l'endroit où on va faire notre championnat de France cette année. Et puis il y aura tous les champions continentaux qui seront aussi sélectionnables. Juste peut-être un dernier point, donc le combiné olympique, on retrouve les 3 disciplines. Comment est-ce que les points vont être comptabilisés pour le podium final ? Alors c'est assez simple, en fait on multiplie les places, c'est-à-dire celui qui fait premier, il va multiplier par 1, celui qui fait deuxième, il multiplie par 2, et celui qui fait troisième, il multiplie par 3. Donc sur les 3 disciplines, si on fait premier, deuxième et troisième, on fait 1 fois 2, fois 3, 6 points. Voilà. D'accord. Donc c'est une façon de comptabiliser qui normalement va donner un gros avantage aux spécialistes, parce que celui qui gagne une des disciplines, mm-hmm. Il va multiplier par 1. Donc, et s'il est bon dans une deuxième, qu'il arrive à être par exemple deuxième dans la deuxième discipline, fait 1 fois 2, donc ça limite beaucoup les coefficients multiplicateurs. Donc c'est une façon de calculer qui devrait faire en sorte que le médaillé olympique, à la fin, ça va être quelqu'un qui est vraiment fort dans une ou deux disciplines. Et ce sera ce système de points qui sera mis en place pour le combiné ici à Innsbruck. Alors il est utilisé tout le temps. Là à Innsbruck, pour passer dans les 6, pour aller dans les 6 qui vont être dans le combiné olympique, on va multiplier les places des disciplines. Ok, on va regarder ça de très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer à regarder ce que fait cette équipe de France sur ces championnats du monde. Merci beaucoup Pierre-Henri. Merci. Dernières épreuves avant le combiné, les demi-finales et finales de bloc ont offert un spectacle de haut vol au public de l'Olympia World.
Fanny Gibert entre en piste plus motivée que jamais. Elle est la première à passer le premier bloc. Mais malgré plusieurs belles tentatives et un dernier bloc validé, la Française n'arrivera cependant pas à décrocher sa place en finale. Elle termine à la 9e place. L'autre Française en demi-finale, Manon Illy, moins à l'aise en bloc, a manqué un peu d'expérience. Elle termine à la 17e place. En finale, Janja Garnbret ne laisse aucun doute sur sa détermination. Avec deux blocs validés et une zone, la Slovène s'impose devant la Japonaise Akio Noguchi et la Serbe Staza Sejo. Ça ne passe pas non plus pour les deux Français en demi-finale à Innsbruck, Manu Cornu et Michael Mauem. Le Tchèque Adam Ondra, pourtant grand favori, n'arrivera pas non plus à passer ce tour. En finale, la sensation est venue du jeune japonais Kai Arada, 19 ans à peine. Médaillé de bronze sur les championnats du monde junior en août dernier à Moscou, il monte pour la première fois de sa carrière sur un podium sur le circuit senior, et pas n'importe lequel. Il est le seul grimpeur à valider les 4 blocs et repart avec une belle médaille d'or devant le coréen Jang Won-chon et le slovène Gregor Vezonik. Dernier jour de compétition à Innsbruck, le moment que tout le monde attendait, le combiné format sélectionné pour les Jeux de Tokyo. Sans surprise, la championne Janja Garnbret a imposé son style sur cette dernière épreuve. La Slovène, vice-championne du monde de difficulté et championne du monde de bloc, a fait honneur à son statut de favorite. La compétition était pourtant mal partie pour Janja. Avant-dernière sur la vitesse avant de valider ses 4 blocs et prendre sa revanche sur l'Autrichienne Jessica Pils en difficulté. À l'arrivée, Janja Garnbret s'offre le titre de championne du monde du combiné devant la Coréenne Solsa et l'Autrichienne Jessica Pils. Chez les hommes, un scénario tout aussi excitant. Les favoris Jakob Schubert, Adam Ondra et Jan Oerer ont tour à tour remporté l'une des épreuves. Jan Oerer s'impose en vitesse. Jakob Schubert sur les blocs au coude à coude avec Adam Ondra, revenu de sa déception de la veille. Le grand mur de la difficulté allait alors être le juge final. Après 10 jours de compétition, Adam Ondra a mis la barre très haut et s'impose dans ce dernier exercice. Jakob Schubert chute à 5 mouvements d'Adam, mais sa performance lui suffit pour prendre la couronne sur ce combiné. Devant son public, Jakob Schubert clôt en beauté ses championnats du monde. Adam Ondra repart avec une nouvelle médaille d'argent et l'Allemand Jan Oerer avec le bronze. C'était les championnats du monde d'escalade à Innsbruck. Un grand bravo à tous les grimpeurs. Merci à nos invités, Fanny Gibert et Pierre-Henri Paillasson. Merci à lui pour ses précieuses explications. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Spot. À très bientôt.